Son visage d'adolescente en première de couverture, Muriel Boll, désormais mère et grand-mère, écrit son histoire. Je peux le jurer de ce que j'ai plus cher au monde. On n'a pas participé à l'enlèvement et l'assassinat de Grégory. En 1984, l'adolescente accable son beau-frère Bernard Laroche avant de changer de version le lendemain. Il y a un gendarme qui a levé la voix et puis j'ai eu peur. Les gendarmes m'ont menacé, oui, de maison de correction, de si je continuais ça à mentir, qui me disaient que j'étais qu'une menteuse, que Bernard avait avoué, qui était venu me chercher au collège. Ils sont arrivés, il y en a un qui est rentré, il a tapé les poings sur la table en disant que j'étais la maîtresse de Bernard, que je couchais avec Bernard. Comme une manière de s'excuser auprès de sa sœur 34 ans plus tard, Muriel Boll dit se sentir toujours coupable de la mort de Bernard Laroche, tué par le père du petit Grégory. Si j'avais pas eu, j'avais pas été faible et impressionné par les gendarmes, on va peur d'eux, je crois que Bernard sera encore là. Et j'ai cette culpabilité et j'aurai toute ma vie.